J'ai incarné le rôle d'un MBL, la gendarmerie, voilà, au poste d'Elibou. Ce film est ivoirien parce qu'on retrouve tout ce qui est comédie, tout ce qui est culture, tout ce qu'on a ici, on y retrouve dans ce film avec Michel Gohou et les autres acteurs. Je dirais les deux. Voilà, je ne ferai pas une distinction. Je dirais les deux parce que nous sommes ivoiriens et nous sommes aussi africains. Je dirais oui. Parce que lorsqu'on a reçu la première annonce, voilà, on a partagé cette annonce en famille et la petite capsule qu'on a reçue, sincèrement, les gens aimaient. Ils avaient hâte de voir le film. Ça a été un plaisir pour moi de partager ce plateau avec Go Michel, avec Agalawal. En tout cas, vraiment, j'ai beaucoup appris avec eux. Voilà. Et puis, me frotter à eux, ça m'a aidé sur le plan national comme international. La leçon que je tire, c'est que nos forces de l'ordre doivent s'y mettre au travail comme ils se doivent. Voilà. Ils suivent des formations pour cela et ils doivent l'appliquer sur le terrain et éviter la corruption. Les scènes les plus difficiles, je dirais qu'une seule. J'ai incarné le rôle d'un terroriste. Voilà, et là, c'était un peu plus compliqué. À chaque fois, on reprenait la prise, on reprenait la prise, on reprenait la prise. Et on a fini tardivement, je crois bien, aux environs d'une heure du matin. Voilà, c'était juste la petite partie. Travailler avec Michel Gohou, comme je l'ai dit au départ, c'était un plaisir pour moi. Et déjà tout petit, le voyant à la télévision, faire de l'humour, dans sa manière de jouer sur le plateau, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a de particulier ce monsieur? Et là, ça m'a fait un grand plaisir d'être en contact direct avec lui et étant mon chef dans ce film. Vraiment, les mots me manquent pour exprimer ce que je ressentais. Les mots me manquent. Go Michel, c'est un grand homme, c'est un grand acteur que je respecte beaucoup. Voilà. C'est mon idole.